On va partir pour une nouvelle compétition, Monzaroïd. C'est toujours l'Overwatch League, évidemment, mais cette fois-ci, je prends mes petites notes, c'est le Countdown Cup, ou devrais-je dire The Final Countdown Cup. Salut à tous, c'est Zaroïd avec aujourd'hui le premier recap de la Countdown Cup, le tournoi qui, après une courte semaine de repos, suit le Summer Showdown. Un Summer Showdown qui a accouché de deux beaux vainqueurs, Paris Eternal en zone NA et Guangzhou Charge en zone Asie. Bon, pour lancer ce premier week-end de Countdown Cup, retour du Hero Pool avec les bans d'Oris, Amei, Fatal et Ana, toutes les équipes en piste sauf Philadelphia Fusion et les Shanghai Dragons, 12 matchs au programme, 9 en zone NA, 3 en zone Asie, et un sommaire riche en chiffres avec 2 remontadas, des 3-0 à gogo, un 8 au total, une seule équipe à 2 victoires, c'est Paris Eternal, et un joueur, ou plutôt une décision qui a fait beaucoup parler, le joueur c'est Super et l'équipe c'est San Francisco Shock. Dans ce 24e week-end de l'Overwatch League, 6 équipes jouaient 2 matchs. Atlanta Reign, Boston Uprising, Los Angeles Valiant, Paris Eternal, Toronto Defiant et Vancouver Titans. Boston et Vancouver ont pris 2 fois 3 à 0, Atlanta, Toronto et Los Angeles Valiant ont gagné et perdu un match, et seul Paris en a gagné 2. Paris en confiance et sur une série de 7 victoires consécutives. La coupure d'une semaine n'a visiblement pas cassé sa dynamique. Face à Vancouver puis Toronto, Paris a déroulé. Sur ces 2 matchs, Soon a été associé à Sparkle alors qu'Exi et Nico sont restés au chaud sur le banc. Dans un style de jeu toujours agressif et face à 2 adversaires inférieurs, Paris n'a pas fait dans la dentelle. Côté composition, Paris a varié les plaisirs et montré pas mal de flexibilité. On a vu Sparkle sur Genji, Doomfist ou encore Chacal, Soon sur Symmetra, Sombra, Macri, Ashe et Tracer. Week-end parfait donc pour nos Eternals qui signent 2-3 à 0 dans la même semaine, alors que depuis le début de la saison, Paris ne s'était imposé sur ce score que 2 fois. C'était face à London Spitfire et Dallas Fuel. Attention ici, nouvel implacable pour venir sécuriser la cape définitive et les 100% de ce point. Soon qui va trouver un kill sur Shockwave, puis sur Shredlock, puis sur Karkar. Décidément, le joueur français est en forme. Très bon choc sismique et derrière, il y a Ben qui arrive en sauveur et l'IUM derrière pour permettre au Paris Eternal de dérouler. On est venu offrir son corps du côté de Ben pour sauver les siens. Le mur de la Symmetra pour essayer d'appliquer un maximum de dégâts. Ben Bess qui va récupérer un kill sur Agilitiz. C'est bien joué et on va complètement s'écraser sur les Toronto Defiant. Ça pile, hein. Ça pile de manière incroyable là, du côté de Paris. On a réussi à complètement annuler ce timing de Blade ici. Hanbin qui va commencer à go in. Derrière, c'est Ben Bess qui va réussir à prendre un pick avec l'aide de Sparkle. Sparkle qui commence déjà à découper les Toronto Defiant. On va faire kebab au caribou. Cet UM, il va attendre qu'il soit pile poil au-dessus de lui. Et on est parti. Super. Ça va toucher 4 et Dans ce recap, 2 remontadas, celle de Dallas Fuel face à Houston Outlaws et celle des Chengdu Hunters face à New York Excelsior. Dans le derby texan, Houston sans prix, parti faute de temps de jeu, Houston perd 3-2, un match qu'il aurait dû gagner 3-0. La victoire lui tendait les bras, mais sur route 66, Houston dérape et là le match bascule. L'entrée d'Onigod sur les cartes 3 et 4 relance Dallas qui ne lâche rien et qui pour la 3e fois cette saison domine Houston, en signant au passage sa première remontada. Bon, si dans l'ensemble le match a été particulièrement brouillon, le tout dernier teamfight vaut quand même le détour. Ok, le bon flux de notes, la coalescence de Crimson, on tient bon pour l'instant du côté des Houston Outlaws, et on a perdu notes en plus côté Dallas. Ouais, la coalescence... Et on va pas toucher. Une demi-seconde, un quart, que dis-je? Une fraction... Oh là 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 là, c'est catastrophique, ils avaient tout. La deuxième remontada, celle des Chengdu Hunters face à New York Excelsior, est la plus surprenante. Certes, les Hunters sont l'une des rares équipes à avoir battu les Shanghai Dragons cette saison, Chengdu est même la seule équipe à leur avoir collé un 3-0, mais cette performance lors du 8e week-end de l'Overwatch League est restée sans grand lendemain. Les Hunters restaient d'ailleurs sur 6 défaites, et quand New York a gagné les 2 premières cartes Népal et Temple d'Anubis, ça sentait plus le 3-0 que la remontada. Mais c'était sans compter sur la fébrilité de New York Excelsior. Les Hunters n'ont rien lâché, se sont adaptés, le match s'est alors tendu et dans ces cas-là, on le sait, New York perd de sa superbe et peine à finir un match. La preuve, cette saison, 5 fois New York a été poussée jusqu'à la 5e et dernière carte et 4 fois elle a perdu. Et à chaque fois face à des adversaires différents. Shanghai Dragons, Hangzhou Spark, Guangzhou Charge et donc les Chengdu Hunters. Après la pause, Ameng, bien aidé par Lei Tiong, a retrouvé son niveau sur Bulldozer, Jinmu s'est mis à découper tout le monde sur Genji,
Ellie va profiter de l'espace à sa disposition pour enchaîner les têtes. Côté New York, en revanche, c'est la descente aux enfers avec 5 défaites sur ses 8 derniers matchs. Non, pas de désynchro comme ça, c'est dramatique. Mine, quelque chose, on peut interrompre un peu le... Oh là là, deux fois, Liv. Oh, ces entrepics qui font mal, Liv, il est sur une autre planète. Le joueur qui a fait parler cette semaine, c'est Super, le main tank de San Francisco Shock, aligné à la surprise générale sur Genji face à Boston Uprising. Alors oui, Super a fait des pieds et des mains auprès de Coach Krusty pour jouer Genji, oui, il s'est entraîné sur le perso dans la semaine en ranked et en scrim, on peut même dire hein, qu'il a livré une prestation correcte, qu'il a joué intelligemment compte tenu de ses mécaniques sur Genji. Maintenant, chacun en pense ce qu'il veut. Si l'idée était de faire le buzz, c'est réussi. Si l'objectif était de lui donner le temps de jeu qu'on lui refuse à son vrai poste, pourquoi pas? Pour être honnête, moi, j'ai pas aimé. Hein. Ça m'intéresse pas vraiment de savoir ce que peut faire Hugo Lloris en avant-centre ou Mbappé dans les buts. Et ne me faites pas croire que sur ce match, San Francisco Shock n'avait pas d'autre solution que Super sur Genji. Je me mets quand même à la place de Boston. Autant c'est normal de prendre un 3-0 face à San Francisco Shock, c'est quand même un peu humiliant dans ces conditions et dans le cadre de l'Overwatch League. Bon, quant au titre, 2 MVP de Super, là c'est presque ridicule, et s'appuyer sur des statistiques pour ça l'est tout autant. Qu'il ait plus de médailles d'or que Striker ou Choyobin ne prouve pas qu'il a été le meilleur joueur du match, mais juste qu'il a été mis dans des conditions très confortables par la qualité des joueurs qui l'entourent, et puis surtout par la différence de niveau entre les deux équipes. Dans ce récap du week-end 24, je retiens aussi la performance des Hangzhou Spark, un 3-0 face à Seoul Dynasty, à moins que ce ne soit plutôt la contre-performance de Seoul hein, qu'il faille mettre en lumière. Seoul qui, si la saison s'arrêtait aujourd'hui, serait parmi les nominés au titre d'équipe la plus décevante de l'Overwatch League. En zone Asie, Guangzhou Charge, le récent vainqueur du Summer Showdown, est toujours là. Le match face à London Spitfire sentait le match piège. Il n'a pas été simple, mais Guangzhou s'en est sorti en s'imposant 3-1. Plus solide en front avec Ryo et Krong, plus efficace en dive avec Aileen et Happy, plus performant tout simplement en termes de gestion des ultis et de manière globale sur le match, Guangzhou Charge continue sur sa lancée avec une 8ème victoire consécutive et une seule défaite sur ses 13 derniers matchs. Dans ce récap, je n'oublie pas non plus Florida Mayhem. Florida est là et m'a fait une bonne impression en battant Atlanta Reign 3-1. Moi, chez Mayhem, j'aime bien surtout c'est l'esprit d'équipe. J'aime bien notamment face à Atlanta comment Mayhem a muselé Edison, qui avait déjà été élu MVP un paquet de fois depuis le début de la saison. Et puis concernant Atlanta qui enregistre le départ de Baby Bay, la reconversion de Kodak de joueur en coach, notez cette incroyable statistique qui s'est encore vérifiée ce week-end. Quand Atlanta gagne un match, c'est toujours 3-0. Cette semaine, c'était face à Los Angeles Valiant. Mais dès qu'elle perd une carte, elle n'arrive plus à gagner derrière. Bon, je passe vite sur la victoire de Los Angeles Gladiators 3-0 face à Vancouver Titans. Je note juste le retour de Bichou sur une carte. Un Bichou qu'on n'avait plus vu en Overwatch League depuis près d'un an. Pas grand chose à dire non plus sur la défaite de Washington Justice 3-0 face à Toronto Defiant. Toronto qui officialise l'arrivée de l'américain Spazo dans le coaching staff. Spazo, ancien assistant coach de Fusion University en 2018-2019 et surtout de Talon eSport en 2020. Talon eSport, une équipe qui a écrasé la scène Contenders Pacific. Voilà pour l'essentiel de ce qu'il fallait, me semble-t-il, retenir de ce 24e week-end d'Overwatch League. Alors la suite, c'est dès ce soir, dès ce vendredi, avec la deuxième étape de la Countdown Cup. Très gros programme ce week-end avec 14 matchs et un paquet d'affiches alléchantes. Alors dès ce soir, à 21h, retrouvez Atlanta Reign face à Boston Uprising, mais surtout Florida Mayhem San Francisco Shock, hein, le remake de la finale du May Melee Tournament en région NA. Notez aussi les retours de Philadelphia Fusion et Shanghai Dragons, hein, qui joueront chacun deux matchs. Pour Philly, ce sera face à Los Angeles Gladiators, puis Toronto Defiant. Et pour Shanghai, deux matchs pièges, le premier contre London Spitfire, le second face à Seoul Dynasty. Bon, et puis je vous conseille aussi New York Excelsior Guangzhou Charge, hein, ce sera samedi midi, en espérant retrouver Axal et une vraie équipe de New York Excelsior. Et enfin, Paris Eternal lui affrontera Los Angeles Gladiators. Ce sera dimanche à 21h. Et tout ça avec le même Hero Pool et les bans d'Orisa May, Fatal et Anna. Voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de vous exprimer en commentaire. Vous pouvez par exemple me dire ce que vous avez pensé du move de San Francisco Shock avec Super sur Genji.
ou encore ce que vous inspire l'état de forme actuel de Séoul et New York Excelsior en zone Asie. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. À toutes et à tous, bon week-end en Overwatch League et ailleurs. Et si tout va bien, prochain récap vendredi prochain.